Voilà, et bien ça, ce sont les images du grand départ. Le grand départ de Majorque, d'Alcudia. Et voilà, je suis nagé un petit peu, j'ai pris la météo. Et on est parti, Raymond est devant déjà. C'était là, tiens, que nous avons passé la nuit. Là-bas, au fond droit. Bon, Raymond, il est parti. Moi, je le rattrape et je prends la route. Là, je vais hisser la grande voile. Alors, on nous annonce du sud-est. Sureste, comme ils disent ici. Sureste, fort pour ce matin. 4 à 5, Rafale à 6. Mais bon, pour l'instant, il y a des gains. On l'attend, le sud-est. Il a qu'à venir. On est gros, ça. Voilà. Allez, à la manœuvre. Capitaine, il a donné les ordres. Il faudrait faire la manœuvre. Paré à hisser la grande voile. Paré. Allez, on y va. Go, c'est parti. Tout petit. Il fait le capitaine, il fait le bosco, il fait le marin, c'est tout ça. Et voilà, ça démarre comme ça. On est parti à la voile. On marche à 4 nœuds, là, environ. On dit nœud devant. C'est le bonheur. On dit le pêcheur devant. La mer est grande. On voit encore un petit peu au loin Majorque qui s'éloigne. On file bien, on marche bien, c'est que du bonheur. Alors, je vais vous montrer. On marche plutôt pas mal. Où sommes-nous? Eh bien ici. Est-ce qu'on y voit bien? Oui, je pense. Nous sommes ici. On voit qu'on marche à plus de 6 nœuds. Et on va ici, à Ciutadella. Ici, là. Donc on est vraiment entre Majorque et Minorque. Et là, on voit la vitesse. C'est pas mal. Voilà, voilà.
mettre droit. Voilà. Là, je suis droit. Voilà. Je suis droit. Comme ça. Voilà. Là, je tiens. Voilà, je tiens. Olé, je sors. Comme un planche à voile. Et j'étais jeune, je faisais un planche à voile. Je sortais. Voilà, pour tenir droit. Si je me mets vraiment ce qui semble à l'horizontale, ben je pars en avant. Et dans l'autre sens, voilà. Voilà, voilà comment ça se passe quand on gîte dans un bateau. Comment on se tient. Bon, avec les vagues, c'est très dur de tenir. Mais me casser la gueule, ça va être énorme. On file bien. Bon, mais dans ces moments-là, tout paraît un tout petit peu plus compliqué. À savoir se faire à manger. Eh bien ouais, pour se faire à manger, c'est pas tout à fait simple non plus. Mais il faut s'adapter. Bonjour, j'ai ça. Donc avec guise de manger, on va casser la croûte. D'abord, on va casser la coquille. Pour la coquille. On va surtout casser la croûte quoi, parce que pas trop me faire à manger. Bon, déjà j'ai pas trop faim, mais je vais manger parce qu'il faut bien vivre. Voilà. Là, l'astuce était de caler l'œuf dans le papier, comme ça, hop, le papier direct. Un peu de sel tout de même. Voilà. Bon, ça c'est la petite dose de protéines. La tomate, ça c'est le légume. De ce côté-ci, ah ben là on voit plus. Hop.
Voilà, on aperçoit Minorque devant. Ici, sous Minorque, ben, la mer est un petit peu plus formée. Tabasco gambade bien, toujours. Moins de 10 000 je pense de l'arrivée. Le soleil est revenu. Que dire de plus? Voilà, sur le traceur ça donne ça. On voit qu'on marche encore pas mal là. Et nous sommes là, on va s'approcher un peu. Voilà. Ciudadelle ici. C'est droit devant. Alors qu'on a toujours un bon petit zèf, une belle petite mer. D'arriver à Ciudadela, arriver à Minorque, sous une mer chaotique, mais dans un bon vent, et c'est tout ce qu'on demande. Et du bon vent, et ce fut le cas de la journée, jusqu'à l'arrivée. On en boucle le chenal d'entrée de Ciudadela, sous voile. Sous voile parce que là devant c'est le Vietnam. Donc j'ai démarré le moteur par sécurité et je rentre sous voile. Voilà. On est arrivé, donc il est 16h50. En 17h, hein. On est parti à 10h30 ce matin. Faut pas se louper, prendre par là Pierrot, c'est par là que ça se passe. Bon, ben voilà, il va falloir affaler, rouler, affaler les voiles, mettre les parobattages, les amarres, tout. Alors, eh ben, la suite au prochain numéro. Hein. Quand on sera à quai, amarré, là, il faut s'activer. Allez, go! C'est pas large en plus, c'est pas large.